La méditation de ce 17 août est intitulée « La douceur, une précieuse qualité ». Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, 5. La douceur est une précieuse qualité chrétienne. C'est en portant le joug du Christ que l'on apprend sa douceur et son humilité. Ce joug représente la soumission totale. On constate aujourd'hui un manque de douceur et d'humilité. L'orgueil et le sentiment d'importance font que les hommes se surestiment souvent et ne ressentent par conséquent pas le besoin d'un sauveur. Ils ne veulent pas porter le joug de Jésus. Le Christ nous appelle pourtant. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29. Dieu attend que nous réclamions sa puissance, cette puissance qui se renouvelle chaque matin et chaque soir. Elle élève les hommes au-delà de l'ambition terrestre et débarrasse l'âme de toute trace d'égoïsme. La convoitise et l'égoïsme ont gâché beaucoup de vies. Ceux qui contemplent Jésus ne regardent plus à eux-mêmes. Par les yeux de la foi, ils discernent celui qui est invisible. Ils voient le roi dans sa beauté. Ils vivent dans la justice, abaissent leur ego au lieu de l'élever. C'est l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit qui produit l'obéissance que Christ réclame et la soumission de notre volonté à la sienne. Elle produit une transformation de l'être entier, le cœur, l'âme et le caractère. Devant l'autel du sacrifice, Dieu révèle à l'homme égoïste et avide son insuffisance et l'invite à se soumettre au joug du Christ pour apprendre la douceur et l'humilité. Nous devons rencontrer Dieu au bon endroit. C'est là que Christ nous place sous la direction du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous soumettons alors notre orgueil au Christ. L'Esprit rend les paroles du Christ vivantes dans notre être. Amen.